Roupi Production Television, RP TV, le carrefour des informations et de la promotion. À l'émission Les Grands Dossiers Politiques du Jour, amis téléspectateurs, publication par le Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis d'un rapport indiquant que pour l'exercice fiscal 2017-2018, il y a 10 558 Haïtiens qui déjoignent visa ou permis de séjour pour visiter les États-Unis et ont décidé de rester pour vivre illégalement sous terre américain. N'a pas signalé que il y a 14 autres pays qui ont une valeur immigrant qui décidaient de faire même genre avec Haïtiens qui dit donc vivre illégalement aux États-Unis après expiration de leur permis de séjour. De plus amples informations avec des précisions après la pause. Advent Plus Health and Services Center, mais nommé Actuality Point Medical Center, annoncé qu'il y a deux adresses qui ont desservi la communauté dans le domaine médical, Life Insurance, Obamacare et notre service santé et communautaire. Dans Broward, 3601 West Commercial Boulevard, suite 2627 North Lauderdale, Florida. Téléphone 954-739-3880 ou bien 954-213-7482 dans Lake Worth, 2311 10e Avenue Nord de Unit 4 dans Lake Worth, Florida. Téléphone 561-855-86-47 ou bien 954-213-74-82. Ouvert du lundi au vendredi de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Every order Saturday, 10h-2h. Médecin qualifié et expérimenté qui paraît pour gérer tension, cholestérol ou diabète ou avec l'autre maladie qui t'a rentré sous vous. Relais Yves Rose directement dans le cellphone. 954-213-74-82. Casse au rendez-vous. Et si ou pas ta gain assurance, songez mandé pour plan paiement la santé 10$ par visite là. Avec Advance Plus Health and Services Center, mais nommé à Trinity Point Medical Center, Haïtien en Florida fait décabès la santé et service communautaire. Production Television invite à participer à un premier rendez-vous annuel de la Foire internationale de la musique haïtienne qui a déroulé dimanche 11 novembre 2018 de 6h du soir à 2h du matin dans la caisse à champagne de Pembroke, Florida. Tout ce dit ancien coup récent de la musique haïtienne a exposé pour acheter un prix PIAI, à ti solo coup jazz haïtien, à toute production de musique haïtienne réservé table pour qu'à 26 dit à tribord et à bâbord et même au centre-bord. Relais pour réserver table par jeudi à dans le contactez Jolene de Casse à Champette au 754-422-2581 avant le 15 octobre 2018. Attention, les tables sont limitées, prix abordable. Save the date. Dimanche 11 novembre 2018 à Casse à Champette, la première édition de la Foire internationale de la musique haïtienne agrémentée de performances live avec le groupe Ambiance Créole, Capi du Tabou Combo Superstars, Rupi the Entertainer en maître de cérémonie et d'autres artistes de talent. L'entrée est entièrement libre pour le grand public. Pour information générale et pour patronner la première édition de la Foire internationale de la musique haïtienne, dimanche 11 novembre à Casse à Champette, prière de contacter RP TV au 954-729-2214. Choubou Enterprise annonçait qu'il traversait dans un nouveau local pour le cas plus bien servi ou dans le domaine taxes, assurances, crédit repair, immigration et l'autre encore. Au 9777-B West St. Paul Road, Coral Springs, Florida, Choubou Enterprise, Paris pour aider. Relais 754-229-2272, casse au rendez-vous dans Choubou Enterprise. Tax services tout à néant. Life insurance en bonne et due forme pour tout le monde. Crédit repair, immigration, TPS, bill pay, citizenship, traduction document, notaire public, transfert l'argent sous place avec l'autre service financier ou gain besoin, la poula dans Choubou Enterprise qui dans 9777-B West St. Paul Road, Coral Springs, Florida. Casse son rendez-vous avec Fritz Dorvillier ou bien Florence Léon, s'entendez à toutes affaires réglées. Ah, chérie, son j'aime tes ouges pour mener un restaurant haïtien, c'est coupé droite. Ah ouais, c'est là que je vais t'emmener. Tu sais qu'on fait un banquet. Chérie, quand on dit buffet à restaurant, c'est ici, on peut tout manger. Ah, very nice. Haïtien, mélangez avec tout
toute notre nation, nous mettre commencer faire bruit pour tête nous. Yeah. Problème première communion, graduation, baby shower, church events, baptême, banquet, mariage, sporting events, anniversaire, bal, soirée en tête à tête. L'ex restaurant résout problème ça. Bonheur, bonheur. 4322 North Street 37, l'odeur d'Alex, Florida. Adresse facile. Come on, man. Entre Oakland Park et commercial sous 441. C'est best place qui gagne, juste pour nous venir hang out, pour nous venir checker. Les gens belles balles, les gens belles fêtes. L'ex restaurant Fort Lauderdale, 954-677-5136. Pow! Pow! Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Pendant l'année fiscale aux États-Unis 2017-2018, gain 10 558 Haïtiens qui ont obtenu un visa ou un permis de séjour pour visiter les États-Unis et n'ont pas jamais retourné dans le pays d'Haïti, ils ont décidé puis ont été à vivre illégalement sous territoire américain. C'est ça que révélé un rapport publié cette semaine par le département américain de la sécurité intérieure. On a signalé que dans le même rapport si là, gagnons 15 de pays, parmi des pays très connus, qui pratiquement violaient les lois migratoires américaines, côté que citoyens pays si là, yo, yo décidé puis auraient été à vivre illégalement aux États-Unis après que permis séjour expiré. Au total, 256 000 ressortissants étrangers, représentant 15 pays, à vivre illégalement aux États-Unis suite à l'expiration de leur visa. On a signalé cependant que selon ce rapport publié par le département américain de la sécurité intérieure, c'est au total 628 799 moun qui en situation irrégulière aux États-Unis après expiration de leur visa. Mais nous faut connaître que chiffre ça représentait une baisse de 1,25% par rapport à l'année dernière. Voici la liste des 15 pays par ordre croissant selon rapport qui est publié par le département américain de la sécurité intérieure. En première position, c'est le Brésil, qui gagne 33 759 ressortissants qui décident de priorité à vivre aux États-Unis après expiration de leur visa ou permis de séjour. En deuxième position, le Venezuela avec 30 424 ressortissants illégaux. En troisième position, le Royaume-Uni, 25 694. En quatrième position, la Colombie, 22 148. En cinquième position, le Nigeria, 19 676. En sixième position, pays la Chine, 18 762. En septième position, c'est pays la France, avec 16 456. En huitième position, pays Inde, 14 206. En 9e position, pays Espagne, 13 780. En 10e position, République Dominicaine, 11 349. En 11e position, pays Allemagne, 11 040. En 12e position, pays d'Haïti, 10 558 ressortissants. En 13e position, Italie, 10 337. En 14e position, pays la Jamaïque, 9 563. En 15e position, pays Équateur, 8 987 ressortissants. Nos amis téléspectateurs, ce sont là les chiffres officiels publiés par le département américain de la sécurité intérieure qui fait qu'on est que Mounsayo a décidé rester à vivre illégalement aux États-Unis après expiration de leur permis de séjour. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. RPTV, Rupi Production Television, invite à contacter le Jodia pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi The Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954
4729-2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, art publication, événement public ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la gauche en route.